Alors, c'est quelqu'un Jean-Michel, membre du syndicat des journalistes écrivains indépendants. Ha ha. Oui, ben je sais, vous avez vu ça là? Oui. Eh bien, regardez dans la description. C'est comme le pour salut, c'est écrit dessus. Voilà. Ça, vous saurez ce qu'il faut faire pour arranger cette chose et pouvoir faire des vidéos sans avoir ça. Voilà. Alors, ce qu'a dit la déesse des Vikings a été envoyé par la Norvège pour mettre de la neige fraîche. On va découvrir là-haut, puis je vais vous montrer. Et avec du temps froid et sec pour la neige. Voilà. Et alors, tous les vaccinés qui étaient venus avec le pass sanitarium pendant les vacances, qui avaient skié dans de la soupe, eh ben tant pis pour eux. Voilà, maintenant il n'y a plus de pass sanitarium et il y a de la fraîche. Ben voilà ce que j'ai dit moi. Hein? Bande de neuneux. Neuneux commandé par Jean Neuneuil. Voilà. Alors, avant de faire la vidéo d'aujourd'hui, là-haut, quelques petites news. Yes. C'est bouché par là. Hein? Ouais. Voilà. C'est pas grave, c'est bon. Alors, les petites news. Bon, alors, je vais prendre le temps de vous traduire en voix off par-dessus, en filmant l'écran, un podcast d'il y a deux jours de Mike de Health Range, du Texas, qui nous parle des sudden deaths, c'est-à-dire des morts soudaines. Non, c'est pas la bière belge, la mort subite. Non, 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 non. C'est sudden death, mort soudaine. Parce qu'il a eu envie de faire ce podcast parce que il a un ranch hein, au Texas. Alors, il a perdu un animal qu'il adorait, qui était en parfaite santé, qui mangeait très bien, etc. Il n'a pas dit lequel, il a raison. On ne raconte pas ces trucs privés là. Et puis tout d'un coup, cet animal, en quelques heures, mourut. Pouf! Alors, on en causera quand, devant la vidéo, hein, parce qu'il y a des raisons pour lesquelles nos animaux, eh ben, ils sont mourus comme ça. Parce qu'il n'y a pas que sur nous qu'il y ait des effets, des chanterelles dans le ciel, là, des chemtrails. Ouais, ouais, oh là là, neige fraîche avec des traces d'animaux. Oui, oui. Traces d'ours? Non, non, c'est pas un ours. Oui, oui. Alors, Mike, il nous annonce... Eh ben, il a déjà annoncé hein, dans son super truc Brighton des choses graves qui vont arriver. Attendez, on arrive à la gare des œufs. Oui, oui. Non, il n'y a pas de poule. Voilà les gens. Rock d'eau de 2400 mètres des brouettes. Oui. Pour ceux qui ne connaissent pas la montagne. C'est au Roc d'Aude que l'eau prend sa source. Ben voilà. Vous savez, la rivière qui va dans l'au-delà, là-bas. L'au-delà. Le bugarage d'OVNI, Nouviet, tout ça. Ils viennent pas ici. Ouais, non, ils montent au bugarage, mais ils viennent pas ici. Bon, on va filmer de l'autre côté, parce que vous voyez des rayures. Elles disent qu'il est rayé, là. Ben oui. Description, c'est écrit pourquoi et comment et qu'est-ce qu'on peut faire. Voilà. Allez, on va filmer ici. Donc au Roc d'Aude où il a tombé. Wow, 15 cm de fraîche cette nuit. Merci ce qu'il a dit. Ouais, ce qu'il a dit, ouais, ce qu'il a dit, ouais, ce qu'il a dit. On tourne la caméra parce que là, c'est catastrophe, catastrophe, Vassili, catastrophe. C'est un drapeau de Gilles Jules, ça ? Non, mais non, c'est le drapeau de la montagne qui indique la force du vent, force 2, voyez-vous, voilà. Ça, c'est l'arrivée du télésiège, hein, le ski doux, et puis tout ça, et puis là, on est dans le nuage neigeux. Alors, voyons, tiens, on va s'appuyer contre le ski doux. Alors, on n'y touche pas, on n'y touche pas, n'ayez pas peur. Alors, voilà. Donc, je vous disais que Mike a fait encore un podcast assez grave
On va récapituler avec les quelques podcasts qu'il a fait avant. Podcast, c'est quand le lanceur d'alerte, il parle par-dessus une image fixe. C'est ça, hein, le podcast. C'est de l'audio, quoi, si vous voulez. De l'audio qu'on met en vidéo. Voilà. Alors, dans celui-là, il annonce que cet hiver, ça va être catastrophe complète au niveau des approvisionnements et qu'il va y avoir la faim. F-A-I-M. J'ai faim. J'ai faim, manger, j'ai faim. Voilà. Ah oui. Ah bon? Ouais, non, jusqu'à maintenant, on regarde les images des pauvres petits, là, qui meurent de faim, qui sont squelettiques en Afrique et ailleurs, et puis ils tirent un monde. Mais nous, ça va, nous, les Frenchies, ça va, tout ça. Oui, ben non, ça va plus, parce que Mike annonce que ce soit aux États-Unis ou en Europe, il va y avoir une coupure des approvisionnements grave et qu'il n'y aura plus à manger. Qu'il faut faire des provisions, qu'il ne faut surtout pas rester dans les villes ni les plaines comme on ne cesse de vous le répéter et de venir vous réfugier dans les montagnes. Alors vous nous écrivez là et on vous dira ce qui se passe en ce moment dans les bases de repli des GJ, des G, des véganes de tout le monde, les viandards aussi. Oui, les viandards aussi. Oh ben, ils survivent ici, hein, avec le poisson et puis le gibier, et plein de sangliers qui se multiplient comme des lapins. Ouais, ouais. Bon, bref. Tous ceux qui ont des cases ouvertes et qui comprennent que ça va être un chaos abominable dans les villes et les plaines parce qu'il n'y aura plus à manger. Hein? Ça va? Vous faites l'image un peu de comment est-ce qui va arriver? La réaction des gens? Voilà. Hein? Alors ça, c'est l'avertissement de Mike que je vous traduirai en voix off. Voilà. Et dans d'autres vidéos, il a annoncé, ou il a interviewé, ou il a balancé d'autres lanceurs d'alerte, souvent des scientifiques, des vrais médecins, des vrais docteurs. Hein, monsieur Nenoy, t'es pas docteur, toi, hein? Oh ben non, t'as rien du tout, toi. Tu connais rien, tu vois rien, toi. Vous n'avez pas du milieu, vous n'avez rien. Oui? Eh ben, viens pas ici, hein. Parce que nous, ton pass sanitaire, on t'emmerde, Nenoy. Il n'y en a plus, là. Hein? Puis les masques, ben, il n'y en a plus non plus. Voilà. T'as bien été obligé de les enlever, hein. Con, va. Mais enfin, il n'est pas de cela être con, il n'y en a pas qui les gardent. C'est une autre histoire, j'en ai déjà parlé. Alors, les autres, donc lanceurs d'alerte, moi je prends surtout au niveau des anglo-saxons, Angleterre, États-Unis, etc. Alors, les autres lanceurs d'alerte, c'est que en automne, alors en hiver ça va être la famine, hein, dans les pays occidentaux, et en automne, beaucoup de vachinés, oui, ceux qui étaient à la vacherie, là, à la ferme qui s'appelle la vacherie, là. Oui, on vous met des trucs là, comme aux vaches, pareil, là. Hein, voilà, pour qu'elles donnent plus de lait, puis qu'elles n'ont pas les maladies, alors on leur met des pchit, voilà. Alors, et les lanceurs d'alerte ont dit, les vrais, hein, ceux qui sont bien au courant, à partir de l'automne, ceux qui ont été à la ferme de la vacherie, n'est-ce pas, eh ben, beaucoup vont attraper le sida. C'est-à-dire que le sida, c'est pas un microbe, hein, bah non. C'est une chute du système immunitaire. Après, vous mourrez de tout. Le petite grippe, un petit rhume, de rien du tout. Elle craque une morue, voilà. Alors, donc, l'effet de la vachinerie, c'est que ça tue complètement le système immunitaire, entre plein d'autres choses dont on a déjà eu parlé. Voilà. Donc, à partir de l'automne, ceux qui seront encore vivants, parce que Montagnier, Perron et tous les autres ont dit que ça va être morue grave dans les 6 mois, dans les 2 ans. Mais là, ceux qui n'ont pas encore été morus, là, boum, tombés par terre, eh ben, ils vont avoir, comme le sida, voilà. C'est-à-dire, ils vont être malades à crever à partir de l'automne, parce qu'ils n'ont plus d'immunité, voilà. Caput complet. Donc, ils mourront de plein de trucs, voilà. Bon, après, est-ce que l'élite arconienne va en faire? Je me doute, comme il dit Gaulle, voilà. Alors, je vous laisse, moi, je suis redressant là-dedans. Bien que ce soit de la fraîche, il y a un peu un mélange de tout ce que vous voulez. Il fait pas assez froid pour que ce soit bien poudreux. Non. Allez, je vous laisse. On reprend la suite dans les œufs en bas. Bougez les ponts. Allez, voilà. Nous continuons ma série très populaire. Voyage sur Vénus de l'Obsang Rampa.
Mais oui, voilà. Alors, on en était resté. Quand ils arrivaient sur Vénus, ils avaient atterri, etc. Ouh, le vent commence, le blizzard demain ici, on essaiera de venir dans le blizzard. Ça va être super top, rigolo. Donc, ils atterrissent sur Vénus dans un grand vaisseau. Ensuite, ils rencontrent une délégation de Vénus qui est là, avec un être vénusien qui leur dit bonjour en télépathie, etc. Allez, pour quelques minutes, nous sommes restés en communion télépathique avec ce vénusien, dit le Psan Grand Pas. Après ce temps, le délégué, l'ambassadeur, etc., s'est incliné vers nous et s'est retourné avec un message télépathique, une instruction de le suivre. Alors on a fait ça pour sur 10 mètres et nous sommes arrivés à un véhicule très remarquable, dit l'Obsan Grand Pas. Ils appellent ça une voiture sur les airs. Ah bon, d'accord. C'était un véhicule environ de 10 mètres de long et il flottait. Quelques 10 cm au-dessus du sol. Alors, une portion de plastique très clair, vraisemblablement de plastique, s'est ouverte et nous a montré d'aller dedans. Alors, le grand, celui qui nous avait accompagné depuis le Népal ou le Tibet, ouais, et l'ambassadeur, là, on est entré dans le véhicule avec nous. Nous nous sommes assis sur des sièges extrêmement confortables et à nouveau nous sommes exclamés, un grand étonnement, avec la notion de rien sentir au niveau de la vitesse, mais alors qu'on allait à une vitesse effrayante, dit l'Obsan Grand Pas. Les buildings autour de nous étaient complètement floutés par la vélocité de notre véhicule et c'était très effrayant, dit l'Obsan Grand Pas. Ben les moines, oui bon. Il n'y avait pas de contrôle dans le véhicule, hein, nous. On était assis et la machine nous emmenait. Bon. Alors le grand qui nous avait emmené depuis le début, là, les Himalayas, il nous a fait un sourire gentil et nous a dit: N'ayez pas peur, mon frère, il n'y a rien à avoir peur. Cette machine est contrôlée de plus loin. Bientôt, nous serons à notre destination, le hall de la connaissance, où vous serez accueillis, où on va vous montrer le passé de votre terre, le présent de votre terre et le futur de votre terre. Oui. Le futur probable, entendons-nous, hein, mon frère. C'est-à-dire que si l'homme choisit son propre chemin, sa propre voie, le futur probable, mon frère, est ce que l'homme va en faire, son propre chemin. Mais les probabilités sont très fortes, quand même, à moins que l'homme ne change son esprit, hein. Les probabilités que vous allez voir dans le hall de la connaissance deviendront des faits factuels. Pouf. Oh bon. Alors l'Obsan Grand Pas dit, j'ai regardé ce côté là, par les côtés de la voiture volante là, et j'ai vu qu'on était environ 2 mètres au-dessus du sol, qui passait à une vitesse incroyable. Et les véhicules qui nous croisaient, on avait l'impression qu'ils nous chargeaient, hein, comme un buffle, ouais, en Inde. Pouf. Et puis à la dernière minute, ils passaient. Oh là là, j'étais très très effrayé, hein, ça nous faisait hérisser le poil. Hein. Oh là là, ouais. Alors qu'est-ce qui allait arriver si deux ou plus de ces véhicules nous rentraient dedans, quoi. Oui, oh là là. Ouf.
Alors, tout d'un coup, je devins conscient que les buildings passaient près de nous plus lentement. Alors, j'ai pensé que les buildings étaient en train de bouger et pas us, pas nous, parce qu'il n'y avait pas de sensation de mouvement, voilà, ou de vitesse. Alors, graduellement, le véhicule a ralenti, il s'est mis sur le sol, il a tourné un demi-cercle, est allé vers la gauche, vers un building absolument immense qui se tenait dans une sorte de clairière, enfin de parc. C'était un building public très très grand qui se tenait sur des piliers extrêmement brillants. Il y avait des grands escaliers qui y montaient. Et sur les escaliers, il y avait un groupe de jeunes gens, apparemment, qui attendaient de nous voir, nous, les visiteurs du Tibet. La machine a continué très doucement et s'est mise à la hauteur du haut des escaliers et il est entré dans les portes principales, dans ce building magnifique. Le véhicule s'est arrêté, hein, et des gens qui attendaient se sont dépêchés de venir nous accueillir en faisant bouger les vitres, hein, et nous ont sortis de là, dans ce building. L'obsang Rampadi, je regardais autour de moi avec une fascination absolue. D'un côté, il y avait une table couverte d'un matériau vert, et autour, il semblait qu'il y avait un groupe, des sortes de trônes dorés sur lesquels il y avait des hommes assis, des gens assis. Alors bientôt, nous avons été en communion télépathique avec ce groupe, qui était les seigneurs de Vénus. Appelés également les seigneurs de la flamme, mais on en reparlera une autre fois avec Sanat Kumara. On essaiera de retrouver quelque chose du seigneur de Vénus, Sanat Kumara, et de Lady Vénus, son âme sœur. C'est un autre sujet. Donc les seigneurs de Vénus étaient les contrôleurs de cette sphère d'activité très large. Bon. Alors, un des hommes nous a envoyé une pensée. Maintenant, mes frères, nous allons échanger de grandes connaissances, de plus grand intérêt. Nous allons vous donner une vision de votre monde, une vision des conditions présentes de votre monde, sur tous les pays du monde, et vous montrerons le futur probable de votre monde. Bon. Alors il s'est levé, les autres aussi, et ils nous ont emmenés le long d'un corridor. Et alors nous autres du Tibet, hein, involontairement on s'est arrêtés, puis on a retenu notre respiration. Devant nous, il y avait comme la nuit complète de l'espace, et on voyait flotter, en tournant lentement, notre propre Terre. Wow. Alors nous avons vu le bleu-gris des continents, des coins bruns, des morceaux de verre et le blanc des nuages, etc. Et nous avons vu l'espèce de sphère bleuée de l'atmosphère de la Terre qui entourait le monde. Alors notre grand ami, le grand, là, m'a touché et m'a chuchoté, n'aie pas peur, mon frère. Ceci une simulation. Hein. C'est le hall des mémoires, le hall de toutes les connaissances de la Terre. Ne soyez pas effrayé de ce que tu vas voir, mais ceci est de la science. Hein. Science holographique, on vous montre. Hein. Mais c'est. Tu comprends aussi que ton monde, c'est un monde d'illusion. Alors, tu vas regarder
et ce que tu vas voir sera la vérité. Alors, on s'est assis et il y a eu comme un signal. Alors, on a regardé la Terre et la Terre avait l'impression de tomber gentiment, lentement. C'est-à-dire on s'approchait, quoi. En projection. Alors, en approchant de la Terre, nous avons vu que c'est une Terre très très différente. D'abord, nous avons vu une espèce de bol en fusion, hein, et devant nous, je suis étonné, le bol est devenu solidifié, des crevasses sont apparues, de la flamme sortait, de l'eau qui s'est répandue sur la surface de la Terre. Les terres ont monté, quelques terres sont effondrées sous les océans, des pays ont été formés et des mers. Nous avons vu les convulsions de la Terre à sa naissance. Nous avons vu aussi les gens incroyables qui étaient les premiers peuples de la Terre, c'est-à-dire que nous avons vu Poséidon, Lemuria, Atlantis, etc. Alors, nous avons vu aussi les puissantes civilisations magnifiques qui ont fleuri sur la Terre, des éons incroyables, avant Poséidon, avant Atlantis, avant la Lémurie. C'est très surprenant, nous avons vu des merveilles complètes. Alors, on voyait la Terre qui devenait plus âgée, hein, devant notre regard, et les nations étaient évacuées, remplacées par d'autres nations, etc. Bon, ça nous a intéressés, mais comme ça. Les potentialités d'être surpris allaient venir après, parce que nous arrivions à notre propre temps dans cette simulation. Alors, nous avons vu le Tibet, quand les fondateurs de notre religion sont apparus dans ce pays. Nous avons vu les buildings de Potala, hein, à côté de la vieille forteresse qui était là avant les rois du Tibet. Bon. Alors, on est passé notre année présente et nous sommes allés dans le futur, dans l'année 3000. Alors, c'était merveilleux les choses qu'on voyait et qu'on entendait. On avait l'impression d'être sur la Terre, hein, comme si vous étiez là, quoi. On était les acteurs principaux de ce qu'on voyait. On pouvait voir tout, entendre tout, mais on ne pouvait pas toucher ni être touché. Éventuellement, ces impressions merveilleuses ont dépassé les années 3000 et quelques. Alors le grand a bougé et a dit, maintenant tu vois mon frère, pourquoi est-ce que nous sommes les gardiens de la terre, nous la gardons? Car l'homme dans sa folie a été permis de faire des choses terribles sur la race des hommes de la terre. Il y a des pouvoirs sur la terre, pouvoirs humains, so to speak, qui sont opposés à toute pensée par rapport à nos vaisseaux et à nous. Hein? Et ils disent qu'ils sont plus hauts, plus grands que les autres humains sur la Terre. Donc, ils vous disent qu'il ne peut pas y avoir des vaisseaux venant des autres mondes. Vous, mes frères, vous avez été montrés, il vous a été montré, raconté, et vous faites l'expérience de ceci. Ainsi, à travers notre connaissance télépathique, vous pouvez contacter les autres et vous pouvez apporter une influence sur les événements de la planète Terre. L'obscène grand Badi, nous n'avions pas de notion combien de temps nous avons été sur cette planète, comme ça, en projection holographique. Ça pouvait être des jours, ça pouvait être des semaines. On était aveuglés par les merveilles de ce qu'on voyait. On voyait des êtres qui voulaient seulement la paix, hein, comme nous du Tibet, hein. On voudrait qu'il y ait la paix. Et puis à un moment donné, il a été le moment de retourner à la Terre au temps présent, hein, et où la Terre, tout ce qu'il y avait sur la Terre, parlait par rapport aux merveilles qu'on avait vues et parler à côté de cette gloire qu'on voyait ici sur Vénus.
Tristement, on est revenu dans le grand vaisseau spatial et on est retourné dans la vallée secrète des Himalayas. Et j'ai pensé, dit l'absent grand-père, que jamais j'allais pouvoir voir à nouveau des choses si merveilleuses. Mais j'étais pas dans le vrai parce que après, ceci a été le premier de nombreux voyages comme celui-ci et qu'on vous donnera dans les prochains épisodes. Des visites sur Vénus, des absents grands-pas et des Tibétains. Là, comme ça. À plus, Captain Out. Un peu de soleil à 2000 et des briquettes, mais on va redescendre quand même parce qu'on prend le dernier voyage des œufs, qui est dernier départ du métro des montagnes. Il est à 4h35, faut pas le louper. Non, parce que c'est. Ça peut être de la soupe à des endroits, c'est 15 bonbons. Alors, on va redescendre et on a terminé notre vidéo ici, dans les œufs, avec décoration indienne, amérindienne, à 2108 mètres d'altitude. Salut la compagnie, à bientôt pour le prochain épisode. Bye bye! Aloha! En tout cas, merci.